Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, là je suis actuellement en train d'exporter la vidéo apparemment que vous aurez déjà vu normalement, c'est le deuxième épisode et premier vlog normalement. Et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo d'introduction pour vous dire en gros, je pars 9 jours à Rome pour un voyage d'études, du coup avec mes études d'archi. Donc voilà, là j'ai déjà mon sac qui est prêt, tous les appareils électroniques sont déjà chargés, dont l'appareil photo. Et je pense que je vais vous faire pas mal de photos et de vidéos à Berlin. Du coup, on se dit à très bientôt et c'est parti. Quelques plans d'intro qu'on a vu juste avant. Je suis un peu un contre-jour, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, en face de moi, par là-bas, on avait le Castel Sant'Angelo, qui est une sorte de grand mausolée, si je me souviens bien, et avec une vue à 360 sur la ville, du coup. Et là, en fait, à côté de nous, on a la Cour suprême ici. Là-bas, on a le. Ce bâtiment, c'est le ministère de la guerre et des armées, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là on est dans un parc, vraiment de type un peu espagnol andalou là, enfin vraiment pas mal. C'est plutôt assez beau, très reposant. Donc là aujourd'hui on est dimanche 31 mars et du coup c'est un peu journée repos cet après-midi. On vient d'arriver ce matin après 24 heures de bus. Et voilà, du coup on va visiter quelques trucs, on est déjà passé sur la place Navone, on a visité une église. La Sapienza, qui est juste à côté de la place Navone. Et du coup là on va continuer de se balader et voilà, et voir ce qu'on va faire là. On va aller récupérer notre hôtel, déjà on doit y être depuis 14h, mais c'est pas grave, on va y aller dans pas longtemps. Et voilà, je vais vous faire vivre du coup cette aventure à Rome pendant la semaine. Je sais pas encore si ça va tourner façon vlog ou façon vidéo un peu cinématique avec des plans de Rome, je verrai. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va être cool. Et c'est parti! Actuellement, on se trouve à côté du Forum romain et à côté du Colisée et de l'Arc d'Auguste, il me semble. Et enfin, une petite anecdote comme ça, une petite histoire, un truc fantastique là qui vient de m'arriver, je trouve. Donc voilà, j'étais en train de faire des photos de cet Arc de Triomphe là. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me demande de le prendre en photo. Ce que je fais avec plaisir, enfin, genre, je vois pas pourquoi j'irais refuser. Et voilà, ça est parti en mini shooting une photo avec son appareil photo. Et. Genre comme ça, c'était si, si naturel genre de parler avec lui. Tout du coup c'était un Indien, il était là pour un road trip et voilà, parler anglais comme ça, si naturellement, dans Rome, je trouve ça tellement cool. Et voilà, petite histoire, vous voyez, mais genre la simplicité, le naturel que les gens ont à venir t'aborder.
pour demander un petit service comme ça et puis du coup à échanger avec eux. Je trouve que c'est super cool. C'est un truc qu'on n'a pas partout et surtout pas à Paris. Donc je suis plutôt content de ça. Et voilà, et puis là on a le Colisée avec le sunset, la Golden Hour là, en plein sur le Colisée. C'est magnifique. Et là ici on a les colonnades du forum. Donc je ne connais pas encore la partie là, on n'y est pas encore allé visiter. Je ne me suis pas encore renseigné dessus, mais voilà, on va faire ça dans la semaine. Et franchement, plutôt content de cette première soirée là dans Rome. Et c'est avec une vue avantageuse qu'on se retrouve pour un room tour de qualité. Voici le plafond avec des moulures. Un lit, deux lits, trois lits et une salle de bain. Yes. Voilà. Room tour de qualité. Say when you're gonna let me know if you give a damn about me. Got my hands tied in my defense. I always fall for confidence. Compliments are good on me, but nobody knows it better. Girl in the corner with a scarlet letter. Watching you may think that she doesn't matter. No one knows you better. I wanna dance, wanna dance, wanna dance with you. Take a chance, oh yeah. I wanna dance, wanna dance, wanna dance with you. Take a chance, oh yeah. Stop, take it slowly, darling. This time I'm feeling a change. Stop thinking too much about it. Love's gonna heal us again and again. Sway, just move with me, darling. And I'm gonna move with you too. Can't stop, now we got it started. On top, such a beautiful view. Et salut tout le monde dans ce nouvel épisode, nouvel vlog, je sais pas si ça va en être un. Bref, toujours est-il que nous sommes actuellement à la Villa Adriana, une villa à 45 minutes de Rome, qui a été construite par l'empereur Adrien dans les années 100 après J.C. Et du coup, voilà, petit épisode. Je vais pas vous parler beaucoup parce que j'ai pas les notes sous mes yeux, du coup je pourrais pas vous dire ce qu'il y a de précis. Voilà, je vous laisse avec quelques images, on se retrouve après dans la vidéo. Bienvenue dans ce vlog à Rome. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. On est vendredi, dernier jour, avant-dernier jour d'exploration. Et on est sur le quartier de Trastevere. Et aujourd'hui on se dirige vers un parc. Comment il s'appelle le parc? Comment? Je ne sais pas. On va dans le parc Doria Pamphili. Le parc de la ville. C'est Erwan qui présente ça. Ça va être magnifique parce que c'est le dernier exposé. Ah là là, on a une chère chanteuse Akbaré d'une qualité incroyable. Allez voir sa chaîne, elle en a pas. Mais elle a déjà chanté sur la chaîne de I Am Psycho Panda. Je vous mettrai le lien dans la description. Oh là là, c'était magnifique. Oh là là, Rome, c'est beau.
forget to subscribe to our channel. Thank you. Thank you. Okay, bye. Bye.